Fabien Ferdinandi nous a rejoint à présent de la société Loupi. Bonjour. Je regarde. Vous me regardez moi. Ah. Loupi, qu'est-ce que c'est? Ah, on parle de Loupi. On aurait pu parler d'Intuitive en fait. Ben moi je vois que vous êtes Loupi. Mais oui. Alors bah, décrivez-moi en fait, ce que c'est que Loupi voilà, et Intuitive. En fait, je dirige l'agence Moustique qui édite deux produits, Loupi et Intuitive. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'Intuitive comme produit? Intuitive, c'est un moteur de recommandation qui est capable en fait de choisir des contenus en fonction du comportement des internautes pour recommander ce contenu et être plus efficace. Alors je comprends pas, comment ça marche? Vous observez, vous tracez les internautes pour savoir quels sont leurs besoins et quelles sont leurs envies, c'est ça? C'est ça. Comment vous faites? Communiquer, c'est choisir, forcément. Et les supports digitaux des destinations n'y dérogent pas. À un moment donné, lorsqu'on a beaucoup de contenu, beaucoup de cibles, on est bien obligé de choisir les contenus qu'on va mettre en valeur. Aujourd'hui, ces contenus sont mis en valeur souvent de manière manuelle. C'est un choix éditorial que de parler de ci ou de ça. Ce n'est pas fait en fonction du comportement des internautes. Nous, notre outil, en fait, c'est presque l'inverse. Savoir que lorsqu'un internaute arrive sur le site, on est capable de récolter des données. On est capable de voir s'il est en anglais, s'il est anglais, s'il est français. On observe le jour, on observe la météo, qui est un élément décisif en matière de voyage. Et à l'aide de ces données-là, on est capable de recommander du contenu qui se trouve sur le site de façon à maximiser l'engagement et proposer ce qu'il attend. Mais alors, en quoi est-ce que c'est utile, par exemple, pour moi, professionnel, office du tourisme, hôtel, en quoi ça va m'aider à être plus performant? Eh bien, être plus performant, c'est globalement donner aux clients ce qu'ils cherchent. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont hyper exigeants, hyper pressés. Il faut que ça arrive tout de suite. Il ne faut pas que je cherche. Il faut que ça me tombe dans la main. Donc, ça aide à ça, globalement. C'est-à-dire que, un, on va être capable de montrer des tendances. Alors, ces tendances, elles sont collectives. Elles sont propres au site. Ça permet de gérer les saisons sans que des RH se préoccupent de quoi je vais parler, à quel moment et à qui. Ça, c'est l'outil qui le permet. Et on va jusqu'à la personnalisation, c'est-à-dire en fonction des données dont on dispose sur la personne, parce qu'il va regarder une ou deux pages, donc on va avoir des affinités quelque part qui vont s'en dégager. Eh bien, on va être capable de lui dire, ben, pour celui-ci, c'est ça. Pour celui-ci, ben, c'est la mer qui l'intéresse et c'est un peu de culture. Donc, on va aller chercher les contenus qu'il n'a pas vus et qui l'intéressent parce qu'on le calcule. Mais alors... D'accord. Du coup, ce que vous me dites, c'est que vous avez quand même une tendance qui se distingue. Est-ce que vous me dites que maintenant, les clients sont de plus en plus pressés, c'est ça? Ils vont pas être... Quelle est leur exigence maximum? On passe énormément de temps à chercher de l'information. Ça, c'est vrai. Plus vite on va, plus on donne les moyens d'aller vite, et plus on gagne, globalement. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous, votre outil, ça simplifie, en fait, la recherche, c'est ça? Ça simplifie la recherche. Et donc, si je trouve vite ce que je cherche... Ben, je serais plus amené à entrer en contact avec l'hôtelier, avec l'activité, ou, etc. sur le site de destination. Parce que même si l'outil il est universalisé, on peut me mettre sur n'importe quel type de site, on est quand même ultra spécialisé dans l'e-tourisme pour répondre à ce besoin qui est très particulier, où on a finalement deux clients. Le client final, celui qui consomme, et la destination qui est aussi un client, qui a ses exigences. Donc, en fait, vous tissez un lien, c'est ça, entre ces deux? C'est ça. D'accord. On prend en compte, c'est à la fois les exigences d'une destination qui doit pouvoir parler de tout le monde, mais qui doit aussi répondre aux besoins des utilisateurs. Une boutique qui vend, type Amazon, etc., qui vend des produits, eux, ils vont ne regarder qu'une chose, c'est le besoin de l'utilisateur. C'est presque facile de recommander dans ces conditions-là, puisqu'il n'y a qu'un besoin. Je regarde ce dont ils veulent et je propose ce qu'ils veulent. Je ne vais pas chercher à proposer des parapluies s'ils cherchent de la crème solaire. Je vendrai jamais mes parapluies. Par contre, la crème solaire, je vais la vendre. La destination, c'est différent. Il va falloir qu'il parle d'un aspect du territoire parce que les utilisateurs, les voyageurs le demandent, mais aussi d'un autre parce qu'il ne faut pas oublier le territoire qui est peut-être un petit peu plus éloigné. Et qu'on connaît et moins. Donc, qu'on connaît bien moins, mais qu'il faut aider à découvrir, à émerger. Voilà, donc on va servir des locomotives. Pour les guider. Pour les guider. Merci beaucoup, donc Fabien Ferdinandi, de cette plateforme. Donc c'est pas Loupi, c'est Intuitive. Intuitive, voilà. Loupi, c'est pour le vélo, voilà. C'est autre chose. D'accord, merci. L'année prochaine. Fabien Ferdinandi, donc de la plateforme Intuitive. Merci beaucoup. Merci.